One, two, one, la course au clocher. Aïe, 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 je veux te voir à Château-Gontier. Le 5 mai, aïe, 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 je veux te voir à Château-Gontier. Le 5 mai, oh, oh. Cécile, dis-moi, pourquoi toi tu t'impliques dans l'organisation de ce point-to-point pour chevaux et pour poneys? Moi, surtout, ce que je retiendrai, c'est l'expérience humaine dans l'organisation de cette manifestation. Voilà, pour moi, je trouve ça formidable. Pourquoi ? Quelques détails ? Oh, parce que on est un groupe, on a appris à se connaître, à travailler ensemble. Et voilà. Parle-nous un petit peu des poneys, quand même, l'implication des poneys dans l'événement, c'est important. Ah oui, oui. Les poneys ont eu beaucoup de succès à Vaumas et les enfants adorent les crosses, les cavaliers. Donc ces deux crosses et cette course plate, je pense, vont faire une partie d'animation. Voilà. Et c'est une spécificité bien française, ces crosses poneys. Ça n'existe pas ni en Irlande ni en Angleterre. Un petit peu aux États-Unis, c'est pour ça qu'on va avoir deux cavaliers qui ont entendu parler de notre manifestation et qui arrivent. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'impliques dans l'organisation de cet événement et notamment puisque tu es à la charge de la partie veneur? Alors ma passion première c'est les courses, ma deuxième passion c'est la chasse, où je suis un grand amateur de chasse, je ne suis pas un aficionados, mais j'aime beaucoup, j'aime bien y aller, j'ai pas trop le temps, donc là je me suis dit au mois de mai, il y a le point-to-point qui s'organise, pourquoi pas une course de veneur, il y a quelques orphelins de la vénerie à partir du 31 mars. Donc on va essayer d'allier les deux, un peu à l'image de nos amis anglais et irlandais. On va essayer de faire ça à la française et puis on va tout faire pour que ça se passe bien. Dans la convivialité, la joie et la bonne humeur des courses et de la vénerie à rassembler et essayer de mélanger ce petit monde qui a tant de choses à partager.